Hello, 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 everybody, comment ça va les amis? Bien, bien, bien. Bah oui, j'espère que vous allez vraiment tous bien, que c'est la forme. Bon, j'espère que vous, certains endroits, vous respirez mieux comme nous, hein. Nous, on respire mieux dans le nord, hein. On est mieux. Ah, Bibi, eux aussi respirent mieux, c'est moi qui vous le dis. Ah là là, bon, bah je sais qu'il y a des endroits, c'est encore chaud, mais je pense qu'on a descendu un peu en température, mais on va remonter, bon. Hein, là, il fait frais pendant qu'on en profite. Nous, on a eu de la flotte pendant 2 jours. Donc, bon, j'espère qu'en tout cas, que vous êtes bien installés. Hein, ça dépend à quel moment que vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée, ou vous avez passé une bonne matinée, une bonne nuit. Ça dépend. Mais en tout cas, que vous allez bien. Hein, que c'est la forme. Je sais qu'il y en a ont eu des petits soucis. Hein. En ce moment, franchement, je pense que je t'ai répondu en commentaire, mais si je ne l'ai pas fait, je vais te répondre, parce que là, je t'ai encore pas répondu en commentaire encore. Mais si au cas où j'oublie, bah, moi, je l'aurais fait en vidéo. Oui, pour les vermifuges, bah non, oui, je leur donne, mais non, j'ai jamais eu de chats qu'on fait des effets indésirables après la prise. Non. Et franchement, ça me fait peur ce que tu m'as dit, parce que là, je dois les vermifuger. Et j'avais arrêté parce que à chaque fois, je leur mettais dans la bouche, bah, il y avait plein de mousse et tout ça. Donc, bah, j'ai paniqué. Donc, quand j'ai vu le vétérinaire, là, et bah, je lui ai demandé. Bon, il m'a dit que. Non, non, c'était normal, c'était comme nous quand on n'aimait pas le goût, bah eux pour faire voir, bah ils bavent. Ils disent non, non, il n'y a rien de grave. Bon, bah je dis ouf. Mais du coup, bah tu me fais doublement peur parce que bah moi je dois leur donner. Bon, tu me diras, quand je leur ai donné, ils n'ont jamais eu. Mais bon, il y en a. La dernière fois que je leur ai donné, je crois que c'était à la pharmacie que je prenais. Et bah j'avais rien eu non plus. Après avec le veto, non, j'ai non aucun effet. Mais est-ce qu'ils n'ont pas donné une plus grosse dose? C'est peut-être ça, parce que faut faire attention, parce que faut pas leur donner, faut surtout pas dépasser le poids. Moi, je vois lui le bibi là pour son poids, il doit en avoir, je crois deux. Deux, il doit en avoir. Et je vois la petite Ninine qui est toute fine. Elle fait même pas 2 kilos. Elle doit en avoir que un et demi, la moitié d'un demi. Un demi. Alors, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée sur le dosage? Moi, je dirais plus sur le dosage. Est-ce que c'est un vétérinaire que tu connais bien, que tu as eu l'habitude ou quoi? Est-ce qu'elle a des bons résultats au niveau, au niveau clientèle? Est-ce qu'elle a des bons retours et tout ça? Parce que c'est peut-être un effet de dosage. Hein. Moi, je dirais plus effet, mais parce que j'ai jamais vu ce que le. Pousse ton chou-fleur, bébé. Ton chou-fleur. Est-ce que ils vous ont dit là que ça pourrait risquer aussi du dosage? Ça pourrait, hein. Parce que peut-être les effets aussi. Faudra aller voir sur internet, pardon, et voir effet indésirable après avoir pris vermifuge pour chat. Peut-être qu'ils vont dire, mais moi vu que les miens, je dirais plus au niveau du dosage, parce qu'on sait bien que quand on donne trop fort, on a des réactions telles que le frissonnement, tremblement et tout ça. Donc peut-être que ça. Ah, les bubis, là, il va falloir que je vous rebrosse là. Que je l'ai pas fait cette semaine. Normalement, je devais le faire hier et puis bah du coup bah j'étais à l'hôpital, j'étais trop fatiguée quand je suis revenue, alors j'ai pas voulu faire d'efforts. Mais bon, ce matin, bah j'ai préféré faire dodo que de le faire. Donc hein, mes bébés. De toute façon, c'est soit le lundi ou le dimanche. D'habitude, je le fais, mais là, je voulais le faire une journée de plus parce qu'il y a moins de poils. Voilà. Et puis, quand il y avait prévoir la chaleur et tout ça. Bon, bref. Donc, voilà. Bah, je te dis, moi, non, ils n'ont jamais eu ça. Mais regarde soit sur Internet, voir quel effet et si ça rejoint après. Autrement, moi, je dirais plus
qu'il y a eu peut-être dosage trop fort. Si elle t'a donné que la moitié, bon, bah là, non, il n'y avait aucun risque. Mais si elle t'en a donné peut-être un entier, vu que c'était le petit bibi, donc, à regarder. De toute façon, moi, je vais regarder de mon côté aussi. Voilà, bah, j'espère que je t'aurai quand même essayé de te donner un peu mon avis. Voilà, j'espère que je t'aurai renseigné assez. Voilà, que ça t'aurait éclairci un petit peu. Un petit peu. Voilà. Et ben nous, maintenant que t'es bien installé, toi, et puis bien sûr, et d'autres, une fois que vous êtes très bien installé, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va parler du sujet, ben oui. On va parler des comptes de formation. Oui. Je suis déçue. J'ai perdu l'article qu'on m'avait. Il y avait. Comment dire, Mika qui m'avait envoyé un article sur les trucs et tout ça. Et du coup, comme j'ai plus mon autre compte Instagram ou qu'il y avait, ah, je suis déçue parce que du coup, je vous avais fait une vidéo sur cet article-là. Et du coup, bah, je ne l'ai pas envoyé parce que j'avais un truc que j'avais dans la vidéo. J'ai dit mon nom de famille et tout le tralala. Donc du coup, bah, fallait que je la coupe. Et puis du coup, bah, j'ai oublié de vous la mettre et tout ça. Et puis bah, du coup, j'ai pu repenser. Et bah maintenant, je refais, mais je ne retrouve plus l'article. Alors je suis vraiment déçue. Il va falloir que je trouve ma solution au plus vite, au plus vite, au plus vite, au plus vite. Bon, alors là, on va parler des comptes CPF, mais on va parler bien sûr de Marc Blatta qui est encore en train de dire non, ce n'est pas une arnaque, non, 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 non. Et pourtant, parce que moi, ce que je ne savais pas, c'est que Marc Blatta proposait des formations à lui. Mais je ne savais pas. Je comprends mieux pourquoi. Et en plus, c'est le pire, c'est qu'il dit oui, les formations, c'est facile à s'inscrire dessus pour Adidi, Bouadada. Mais eux aussi. Parce que franchement, comment on peut faire une formation comme ça par WhatsApp, par message interposé? Comment ils peuvent faire une formation métaverse comme ça, eux? Je voudrais bien voir franchement qu'est-ce qu'ils proposent dans leur formation métaverse, parce que franchement, mais en tout cas, il y a un truc qui me fait rire, moi. Parce que normalement, la formation est le même prix pour tout le monde. Donc du coup, quand le compte CPF est de 3 000 euros, bah, tu prends juste ce qu'il te faut, tu prends pas les 3 000 euros. Alors, je ne sais pas combien qu'elle coûte leur formation. Ils le disent pas. Et même qu'ils le disent pas, normalement, on devrait savoir le prix de la formation. On ne doit pas donner toutes nos. Il y en a qui ont moins 3 000, il y en a même, je crois, qui ont 5 000 euros. Parce qu'on travaillait des années et tout ça, et jamais été embauchés, et ils ont 5 000 euros de formation. Donc, il peut en faire plusieurs, il n'est pas obligé d'en faire une à 5 000 euros. Que, apparemment, bah, la formation qui te dirige sur une formation, elle vaut peut-être même pas 500 euros. Et ben apparemment, il te sucre tout ton CPF, apparemment. Ce que j'ai entendu et tout ça. Et là, je ne savais pas que Marc Blatt. En fin de compte, tous ceux qui sont la rumeur, on va dire, la rumeur qui court sur tous ceux qui feraient une arnaque comment dire, au CPF. Ça serait tous ceux qui ont inscrit, qui font des formations. On voit là, Margletta a fait une formation dans le métaverse. On voit une autre, mettons Maeva qui fait une formation, mais c'est pour la formation d'une de ses copines. On voit même, comment dire, Nabil fait une formation aussi, mais c'est une fille qui fait une formation d'ongles angulaires. Et comment tu te fais? C'est à Dubaï. Comment tu fais pour aller à Dubaï, pour aller faire ta formation, pour tout ça? Il y a quand même des petits trucs qui me. J'ai beaucoup de points d'interrogation et tout ça. On va voir ce que Marc Blatta va dire. Hein? On va bien voir. Alors, ce qui m'embête, je sais que maintenant je peux mettre une vidéo, mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve le truc à vous faire semblant que je fais tout, que je vous parle là, comme si la vidéo tournait.
Et en fin de compte, on fait semblant que la vie, bah moi je fais semblant pendant que j'enregistre la vidéo. Je vous parle comme si la vidéo tournait, mais en fin de compte, elle tourne pas. Et moi, je la rajoute après au montage. C'est un de mes abonnés qui m'a expliqué ça, que bah ça serait mieux et tout ça, mais que je lui ai expliqué que je viens de commencer dans le game, que j'ai qu'un portable, je fais tout sur portable et les montages, je viens juste d'apprendre les montages. J'ai beaucoup de difficultés à couper une vidéo, à enlever un bout d'une vidéo, à remettre, à couper, à recoller. Je ne sais toujours. Là, ce que j'arrive à vous mettre, c'est à vous mettre des choses. Là, si j'arrive à vous mettre la vidéo, j'espère. Alors donc du coup, je vais quand même la mettre quand même apparaître hein, avec mon portable. Comme ça, si j'arrive pas à vous mettre, vous avez vu, j'ai réussi. Alors je sais pas parce que j'ai pas de retour. Donc je sais pas si mes vidéos sont regardées juste au moment que je mets que je fais des montages. J'ai aucun retour sur mes vidéos. Alors est-ce que les montages sont bien faits? Est-ce que je les laisse assez longtemps ou quoi? J'ai aucun retour, donc je sais pas si. Alors, est-ce que déjà, est-ce que vous regardez jusqu'au bout? Parce que ça se trouve, vous regardez qu'au début et les montages sont souvent faits au milieu de la vidéo. Donc, c'est normal que vous voyez pas mon travail. Donc voilà, j'ai pas de retour. Donc, je voudrais bien que vous me dites, même malgré s'il n'y a pas de montage sur cela, sur les autres vidéos, est-ce que vous voyez? Parce que je sais que dans la vidéo qu'il y a les petits mimis, l'association des petits mimis qui a brûlé, je vous avais mis la vidéo, je vous l'ai incorporée dedans. Et du coup, bah, je sais pas si ça a été bien, vous avez eu, c'était propre ou quoi. Parce que moi, j'avais l'impression que mon portable était vide pour faire des vidéos. Je trouve que c'était très très net, mais apparemment c'est pas trop trop net ni tout ça. Donc on m'a dit ça, donc je pensais que pourtant on en avait parlé pendant un moment. Vous savez que j'avais mon écran qui était brouillé et tout ça. Je vous avais demandé et on m'avait, quand c'était revenu, on m'avait dit oui, que c'était bien net, donc c'est pour ça. Faudrait que j'essaye de regarder sur ma télé, une de mes vidéos sur ma télé, de voir, mais ça se peut, hein, ça se peut, hein, parce que c'est vrai que les portables, ça n'a pas la même qualité qu'une caméra, hein, ça peut. Bon, ça, t'inquiète, hein, je l'ai pas pris méchamment du tout, au contraire, hein, au contraire. Mais du coup, ça me stresse parce que ça me dit qu'il faut que j'aille vite, faut que j'aille vite, faut que j'aille vite. Et du coup, bah, vous voyez, là, je me suis mis plein de vidéos avec des montages. Et du coup, bah, les vidéos que j'ai eues, bah, avec le montage, ça a tellement mis du temps. Donc, j'ai mis du temps à vous les poster. C'est les montages, j'ai tellement eu de problèmes avec les montages. J'ai eu beaucoup de problèmes. Bah, je viens de commencer. Donc, du coup, c'est pour ça. Donc, j'espère que tout ça va rentrer, que je vais trouver mon rythme montage. Publié, montage, publié. J'espère que je vais trouver mon rythme avec les bébés et tout ça à l'hôpital. Faut que j'arrive parce que c'est vrai que quand il n'y avait pas de montage, j'y arrivais plus vite à vous les mettre, à vous les poster plus vite parce que le temps de la conversion, il y a pour 1 heure. Après, on met sur YouTube, il y en a encore pour 1 heure. Donc, du coup, il y a au moins 2 heures, 2, 3 heures. Donc, du coup, bah, qu'avant, bah, 1 demi-heure, 3 heures, 4 heures après, je vous en mettais la vidéo, c'est 1 heure de temps de riposte, mais il n'y avait pas doublement de temps de riposte. Mais je vais essayer de m'organiser. Tout au début, je vous envoyais parce qu'il y avait des petits montages. Donc, je les faisais une fois que je finissais toutes les vidéos. Avant, je vous postais une vidéo. Mais maintenant, je fais mes montages avant de faire dodo. Et comme ça, le lendemain matin, pendant la nuit, j'en convertis une. Comme ça, quand le lendemain matin, je me réveille, eh ben, il y en a une de convertie. J'ai plus qu'à aller la poster sur YouTube. Et puis, hop, mettre mes descriptions. Et après, bah, hop, YouTube, bah, paf, la remachine. Donc, il y en a encore pour, ça dépend combien de temps, soit 1 demi-heure, 1 heure. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, je vais vous mettre la vidéo. On va voir comment vous verrez bien si j'ai réussi à vous mettre carrément l'incorporer dedans. Mais je préfère faire ça comme ça parce que si j'y arrive pas, après, faut que je refasse la vidéo. Mais j'espère trouver franchement, la vidéo. J'aurais réussi à l'avoir jusqu'à la fin, mais pas le petit bout d'une autre vidéo, bah, ça aurait été cool. Que là, si je vous mets ça plus la fin de l'autre vidéo, c'est pas terrible. En plus, on voit le nom d'une de mes abonnées au-dessus.
Donc, pas trop top. Donc, c'est pour ça que autrement, là, c'était bon, je savais. Là, on parlait, je mettais la vidéo, et puis voilà, moi, j'arrêtais de parler comme si je regardais la vidéo, mais je la mettais tournée quand même en bas sans son. Comme ça, je voyais à quel moment m'arrêter et reparler une fois que la vidéo s'enlevait là. Mais malheureusement, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de fin. Donc, on verra si j'y arrive, si vous allez voir la vidéo. Allez, 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 parce que j'ai pris du temps à vous parler. Je sais qu'il y en a, ça déplaît pas. Il y en a, ça déplaît. Excusez-moi, mais bon, c'est ma chaîne est comme ça. J'arrive pas à rechanger à, comment dire, c'est mon naturel, donc j'arrive pas à essayer de vous faire comme tout le monde marque, voilà, tu parles de ça avant, tu parles de ça, tu parles de ça, tu parles de ça. Ben, moi, j'arrive pas, faut que j'arrive pas à préparer, faut que ça me vienne, même mes descriptions, des fois je voudrais le faire le soir, les préparer sur un papier, comme ça j'ai plus qu'à les taper le lendemain. Non, faut que je sois sous le coup. J'arrive pas à préparer. Donc, si c'est ding ding ding, il faut que tout fasse sur le fait, c'est dur. Bref, bref, bref. Mais en tout cas, si, j'espère que je vous aurai tenu quand même jusque-là. Ça m'étonnerait que j'en ai tenu jusque-là. Mais ceux qui sont pas abonnés, qui sont encore ici, bah, c'est cool. Merci déjà, merci beaucoup. Et puis, bah, si vous voulez continuer à me suivre, bah, abonne-toi si t'es toujours pas abonné. Parce que je te vois, mais. N'abonne pas, alors abonne-toi. Et les likes, c'est très important pour que mes vidéos, parce que comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je fête mon anniversaire le 26 août. Et le 26 août, je voudrais bien, si ça serait bien d'avoir 1000 abonnés pour le jour de mon anniversaire, franchement, bah, ça serait beau. Un mois et demi, récupérer plus de 400 abonnés, eh ben, ça serait beau. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, j'ai le droit de rêver. Vous m'interdisez pas de rêver. Bon, bah, j'ai le droit. Donc, je vous demande, faites un effort et venez sur ma chaîne pour avoir 1000 abonnés pour mon anniversaire. Et j'espère que le 26 août, j'aurai beaucoup de likes, hein. J'espère. Allez, je vous laisse avec Marc Blatta, mais tu t'es abonné et t'as liké, hein. J'espère. Merci, hein, si vous faites. Merci, merci à tous ceux qui le font. Allez, hop. Merde, j'ai baissé le son parce que du coup, oui, du coup, comme je voulais vous faire, je voulais vous faire comme je vous ai expliqué là tout à l'heure. Donc, du coup, bah, j'avais baissé le son et puis je voulais. Et bing, bam, bam, boum. Non, ça va le faire parce que autrement, ça va faire trop, 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 trop. Pas de boulot, hein, mais je veux pas avoir le temps. Autrement, vous allez avoir une vidéo que demain midi, une vidéo que dans parce que. Que demain, comme je suis chez mon petit-neveu, parce qu'ils partent en vacances après, et moi, je les vois que le week-end, je peux les voir que le week-end. Et là, en ce moment, ça fait deux vendredis de suite que je suis à l'hôpital. Donc, vendredi, là, j'étais à l'hôpital. Et vendredi prochain, mais là, je suis comment dire, hospitalisée. Je suis comme tous les mois, toute la journée, perfusée, sous médoc pour arrêter, en plus de mes SNT pour mon cerveau, pour mes douleurs. Et du coup, bah, je ne peux pas aller les voir là. J'y vais dimanche là parce que bon, je suis restée une journée sans bouger, ça va. Les trucs au cerveau, ça va. Mais quand c'est les perfusions, le samedi, je suis dans les vapes, bien blop, blop, blop. Et le dimanche, un petit peu. Donc, j'évite de prendre le scooter et tout ça. Et comme ils partent en vacances après, donc du coup, si je vais pas les voir, on se verra pas pendant plus d'un mois. Donc, bon, les petits, ça grandit vite, hein, ça grandit vite. Voilà. Bon, je sais que vous vous en foutez, hein, je sais que vous en foutez, mais bon, j'aime bien vous dire des petits trucs de ma vie. Et puis vous savez que ces petits loulous-là, ils sont ceux qui me connaissent depuis le début, ceux qui me suivent depuis presque le mois d'octobre, que je suis vraiment, vraiment, vraiment là. Ça va bientôt faire un an. Un an, il n'y a même pas les. Et j'ai même pas les 1000 abonnés, vous imaginez? Allez, on y va? Tu t'es abonné, t'as liké? Allez, on a perdu du temps là. Avec mon son là. La famille, j'espère que vous allez bien. La story tant attendue. Le CPF, arnaque, pas arnaque. C'est quoi l'histoire? On a vu qu'il y avait le ministre de l'économie qui en avait parlé, etc. Et il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, mais frérot, on comprend pas. C'est une arnaque, c'est pas une arnaque. Donc là, je vais tout. Le
CPF, c'est un droit que l'État vous donne dès lors où vous avez cotisé plus de 2 ans en travaillant en France pour vous former. À la base, les formations que vous devez faire d'une manière éthique, c'est pour améliorer vos compétences ou pour changer d'orientation. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille, je te dis une bêtise, au McDo, qui a travaillé avec des fiches de paye, etc., bah, l'État va lui mettre à disposition une enveloppe, d'accord, peut-être 1000, peut-être 2000, peut-être 3000 euros à disposition pour se former. C'est pas de l'argent qu'il peut prendre dans sa poche, c'est de l'argent que l'État lui donne pour se former avec un centre de formation qui, lui, le centre de formation, va avoir cet argent, va récupérer cet argent de l'État. Il est évident que dans chaque système où il y a de l'argent, il y a des petits malins qui s'engouffrent dans la brèche pour essayer d'en tirer profit. Donc forcément, là où il y a de l'argent, il y a des escrocs. Avec le compte CPF, c'est exactement la même chose qu'avec la taxe carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des centres de formation qui sont légitimes. Les formations, ça existe depuis des années. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est devenu du grand n'importe quoi parce que vous avez des centres de formation qui ne font absolument pas des vraies formations. C'est des sociétés qui viennent d'ouvrir, qui ne forment comme absolument toi, Marc, pas des gens, qui sont là juste pour récupérer l'argent de votre compte CPF. C'est des gens carrément qui payent des centres d'appel pour vous appeler, pour vous dire « oui, bonjour, vous avez le droit ». La formation, etc., juste pour récupérer votre argent. On a des gens encore plus véreux que ça qui vous appellent, qui vous disent formez-vous et après on vous redonne une partie de l'argent de votre CPF. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame. Donc maintenant, aujourd'hui, on va parler de formation. La formation en elle-même, toutes les formations que vous voyez finançables par l'État ne sont pas des escroqueries. D'accord ? Ça, c'est bien de le rappeler. Ce n'est pas de l'escroquerie. Dès lors où vous êtes vraiment formé, c'est que le centre de formation est légitime pour recevoir cet argent. Et il n'y a pas de mal pour quelqu'un qui a ouvert un centre de formation à vouloir faire de l'argent. Tout comme vous, si aujourd'hui ou demain vous ouvrez un commerce, ce que vous voulez, c'est fonctionner. Ce que vous voulez, c'est devenir millionnaire. Ce que vous voulez, c'est de faire énormément d'argent. Donc aujourd'hui, des centres de formation qui prennent des influenceurs pour faire de la pub pour leur centre de formation, mais qui, contrairement aux voleurs, forment vraiment les gens, et que vous en ayez pour votre argent dans cette formation-là, il n'y a rien d'illégal. Je fais le parallèle un petit peu avec la taxe carbone. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même brèche. On parle de l'argent de l'État, donc forcément, c'est un sujet sensible. Et à la base, la taxe carbone n'était pas faite pour que les gens s'engouffrent dedans. C'était juste pour octroyer un droit à polluer par des sociétés qui pouvaient les vendre. Donc, dans l'histoire de la taxe carbone, tu as des sociétés qui n'ont vraiment pas utilisé tous leurs droits de polluer, qui ont vraiment vendu, qui ont vraiment encaissé de l'argent. Et c'est légitime et c'est légal. C'est simplement qu'il y a des gens, des petits malins, qui se sont pris pour des malins en tout cas, et ils l'ont été pendant une courte période jusqu'à ce que l'État les rattrape, en fait, en créant des fausses sociétés écrans, etc., et en faisant bouger la TVA à droite à gauche pour récupérer de l'oseille. Je pense que vous avez compris, vous êtes suffisamment intelligent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment dissocier des gens qui font des formations réelles et qui prennent de l'argent parce que c'est leur droit et ils forment vraiment, ils ont des formateurs dignes de ce nom, etc., et qui vous donnent, pardon, un réel contenu, etc., et qui sont légales. Donc ces gens-là ne sont pas attaquables. C'est pas des gens qui ont arnaqué ou qui ont utilisé à mauvais escient l'argent du CPF. Non, ce sont des centres de formation qui forment réellement les gens. Et t'en as d'autres qui, eux, ouvrent des centres de formation exprès pour récupérer cet argent-là et pour après ne même pas former les gens. Donc là, oui, il y a escroquerie. Donc surtout, ne pas faire l'amalgame et ne pas tout mélanger, la famille. Parce que vraiment, je vois passer de tout et de n'importe quoi sur les réseaux en mode, oui, le CPF, est-ce que c'est une arnaque, etc. Non, le CPF n'est pas une arnaque, c'est l'État qui l'a mis en place. Donc c'est pas comme si un mec, il est arrivé un jour et il a dit, vas-y, je vais inventer un truc. Non, 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 c'est l'État qui a mis dans votre compte, à chacun, ceux qui ont travaillé en France, un droit à la formation. Avec un tarif selon ce que vous avez travaillé. Et il y a des sociétés de formation, des centres de formation, qui vous proposent des formations contre cet argent-là. Ce qui est tout à fait normal et logique. Pour conclure, la famille, si vous avez vraiment envie de vous former, vous avez le droit de vous former avec un centre de formation compétent qui existe réellement et qui forme depuis longtemps. D'accord ? Vous pouvez le faire, vous faites vos démarches, vous faites vos recherches. Ça, c'est à vous de faire vos recherches. En tout cas, en ce qui concerne les centres de formation, que les influenceurs, dont les influenceurs ont fait la promotion, etc., tous ces centres de formation-là sont passés par un pôle juridique avant d'arriver dans les téléphones des influenceurs. Donc n'écoutez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en mode « Ah, ils ont fait des arnaques au CPF, il n'y a personne qui a arnaqué personne, l'État est très intelligent pour faire ses recherches elle-même et de voir qui a fait quoi. » Vous inquiétez pas. En tout cas, les pseudo-policiers du net mytho, parce qu'on les a...
On les a terminés parce qu'ils ont mis des fausses montres. Voilà, vous avez compris de qui on parle. À un moment donné, il faut aussi donner, faut contrebalancer ce qui est dit. Parce que si vous entendez qu'un seul son de cloche, vous avez l'impression que cette personne dit la vérité. Or, c'est complètement faux, d'accord? Les centres de formation forment vraiment les gens et prennent leur argent, c'est leur dû. Fin de l'histoire. Donc, vous avez vu, c'est comme il dit, c'est leur dû. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que, pour lui, c'est pas une arnaque. Bon, je suis d'accord que pour certains, c'est pas une arnaque. Ça, c'est sûr que toutes les formations ne sont pas des arnaques. Mais je sais pas comment que ça se passe le métaverse, parce que c'est eux, c'est quand même Blata qui sont derrière les formations du métaverse, quand même. Hein, parce que vous allez voir, la prochaine vidéo que j'ai à vous faire, c'est sur Madame Nadé. Dis donc, j'ai pas eu le temps d'avoir tout ce qu'elle disait avant, parce que du coup, j'ai eu mon message un peu trop tard. Mais dis donc, bah, on va dire que c'est bien le couple. Hein. Mais comme je dis, il ne faut pas leur mettre toutes les arnaques sur le dos. Mais celle-là, moi, je pense, parce que comment ils peuvent faire des formations, ils sont à Dubaï et toi tu es à je sais pas combien de kilomètres, comment? Alors est-ce que, mais c'est pareil, regardez ce que je vous disais au début, ils prennent tout l'argent, donc la formation, une formation si tu as 5000 euros, une formation ne vaut pas 5000 euros. C'est pas parce que tu as 5000 euros que tu vas aller prendre une formation à 5000 euros. Tu peux vouloir faire plusieurs formations pour être formé dans plusieurs choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez vraiment le centre de formation doit toucher tout l'argent? Normalement, quand tu fais une formation toi-même, quand tu payes une formation, tu payes la formation soit 1000, soit 2000, soit 3000. 1005 et tout ça. Mais si t'as pas mal d'argent dedans et si t'as pas assez. Parce que eux, toutes les formations, quand ils t'appellent, ils t'ont accepté sur toutes les formations. Mais c'est qu'au bout du compte, là, des fois, tu reçois rien et tout ça, mais ton compte est débité. Et là, et en plus, si je ne me trompe pas, quand ils parlent de la formation métaverse, si je ne me trompe pas, ils envoient sur Telegram. Je crois qu'ils envoient sur Telegram, je crois. Si je ne me trompe pas, quand il fait la publicité des EPF, je crois qu'il envoie sur Telegram. Oh là là, je ne sais plus, en plus j'ai lavé ce truc-là. Canal Telegram, vous avez le lien qui vous redirige vers le lien de l'État, de votre compte CPF. Vous avez juste à remplir les gens, vous remplissez, vous avez accès à la formation 100% gratuite. C'est l'État qui vous finance, pas d'argent avancé, c'est pour Bibi. Métaverse. Faut que je regarde s'ils ont un truc de formation, si on a une vidéo de formation de métaverse. Je sais que j'ai déjà entendu parler de la formation métaverse. Ça, parce que même, t'as le casque gratuit, quand tu fais, ouais, tu fais la formation et tu reçois le casque. Le casque, parce que si... Ah oui, voilà. En fin de compte, la formation se trouve dans le métaverse, dans le casque. Parce qu'autrement, si t'as pas le casque, tu peux pas suivre la formation. Ah, ça y est, j'ai eu des éclairs et tout ça. Ok. Mais pourquoi? On va en reparler plus de ça dans l'autre vidéo que je vais vous faire. Parce que là, on parle vraiment d'une personne qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait douiller à la formation métaverse. Mais bon, douiller veut pas dire comme tu sais pas, comme t'as mal, tu comprends pas. Normalement, tu dois... Parce que du coup, tu perds ton argent et tu fais pas la formation. Alors, sans arnaque, hein, tout ce qui est vrai. Et si tu arrêtes ta formation, ils gardent l'argent? Je pense que oui aussi, je pense. Ouais, je pense que oui aussi, je pense pas. Je sais pas comment ça s'est passé, parce que j'en ai fait des formations aussi, moi. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait.
Au moment où j'ai fait des formations, au moment que, bah, que j'ai eu mon accident de travail et que j'étais reconnue en connaissance. Ben, je suis pas, même pas trop comment que je suis reconnue handicapée, je peux vous dire. J'ai pas la AH, hein, je vous dis tout de suite. Hein. J'ai juste un taux d'handicap hein, qui est à 15%, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Hein. Je vous dis, je suis pas. Je gagne juste 300, 300, presque 400 euros d'invalidité. Ne croyez pas que je suis. Que voilà. Même pas. Donc, hein, j'ai pas le RSA, j'ai pas tout ça. Hein. Je suis pas. Donc voilà. Bon, bah, on verra bien. Il y en a beaucoup qui disent ils font des arnaques. Mais il y en a beaucoup qui se disent, bah non, j'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de ça. Et il y en a qui ont retrouvé des formations que eux-mêmes font. Ça, je vous ferai voir ça dans les autres vidéos. Bon, bah voilà. Hein, on va rester sur ça. On verra bien. Mais bon, comme eux, ils ont eu une petite formation dans le métaverse, il va falloir qu'on aille voir tout ça. Si vous êtes au courant, vous savez comment que ça se passe, ce truc de métaverse et tout ça, le tralala, parce que il y a Nadé qui est dedans et tout ça. Nadé parle, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça dedans, qu'est-ce qu'ils ont à voir vraiment eux dans la formation du métaverse? Est-ce que c'est vraiment eux, comme moi je disais au début, c'est vraiment eux qui ont ouvert ou pas? Ils sont derrière cette formation-là. Ils doivent être complices avec le mec, de toute façon, qui leur fournit les. Ouais, bah, on verra bien. De toute façon, on en saura peut-être un peu plus par vous si vous êtes au courant. Mais dites-moi tout en commentaire. Et puis voilà, bah, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle aura été un petit peu constructive pour vous. Elle vous aura plu, vous aura mis un petit peu d'infos. Bon, en espérant que vous l'avez déjà pas entendu, son petit blablabla. En espérant. Voilà, bon, tant pis, moi, vous l'avez pas eu, mon blablabla. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, comme je vous dis à chaque fois, moi, je passe toujours un bon moment. Et même, j'ai beaucoup de mal à vous quitter. Vous savez, je suis réglée entre 30, 35, 40. Je suis réglée comme ça. Donc, on va continuer à être réglée comme ça. Voilà. Eh ben, moi, on va se laisser. Mais avant qu'on se laisse bien, tous. Et ouais, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Like, surtout les likes, c'est très très important et ça me fait plaisir. Mais bon, en ce moment, ils ont diminué les likes, j'espère qu'ils vont remonter. Et puis bien sûr, petit commentaire, vous me dites ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que la formation métaverse, est-ce que vous pensez que c'est Marc Blatta qui est derrière tout ça ou c'est vraiment une vraie formation ou quoi? Parce que moi, je pense que l'arnaque est là. Dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire. J'attends votre avis avec impatience. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas d'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Eh ben, sur ce, maintenant, on va se faire d'énormes bisous. Et puis, on va se dire à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao, bisous, bisous.